Bonjour, je vais vous expliquer un peu ce qui consiste le programme de panier de Noël des Bergers de l'Espoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on jumelle une famille parraine avec une famille en besoin, donc où leur revenu atteint sous le seuil de pauvreté. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse des familles parraines qui préparent un panier de Noël, donc essentiellement un souper de Noël pour les familles en besoin. Et ils se procurent d'une dinde, du jambon, des pommes de terre et des légumes ou quoi que ce soit. Et tout ça dépend de la taille de la famille en besoin. On détermine l'éligibilité d'une famille en besoin. On leur demande preuve de résidence, une preuve de revenu et carte d'identité. Une fois qu'on ramasse ces familles, la deuxième étape, c'est de chercher des familles parraines. Et donc, on prend leurs informations, leurs critères de quel type de famille ils veulent parrainer et combien de familles ils veulent parrainer. Et ce qui est vraiment crucial de ce programme et ce qui est important, c'est qu'il y a un échange qui se passe. Donc, une fois qu'on trouve une famille parraine et la famille en besoin, ils font un échange, donc ils s'appellent, ils se parlent et ils peuvent déterminer un bon temps pour faire l'échange du panier. Donc, la famille parraine arrive et apporte le panier de Noël pour le souper. Et donc, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est les familles pour parrainer les familles en besoin. Et donc, c'est très important si vous êtes intéressé. Vous pouvez nous appeler, on est sur le site des Bergers de l'Espoir aussi. C'est ça.